On dit Daklin, Daflafo, voilà, deux ou trois positions par rapport à la situation de notre pays. Nous avons trouvé un exemple encore pour vous d'une belle vie de certains responsables de ce régime. À l'occurrence, le directeur de l'agence guinéenne de la promotion de l'emploi, AGIP. À l'occurrence, Haribo, vous le connaissez très bien, et son adjoint Soari. Pour un second temps, nous dirons merci à M. Lassana Kamara, du RPD Arc-en-Ciel, le secrétaire administratif, c'est-à-dire quand on dit secrétaire administratif, bonjour à mon grand frère Garan Cascadet, le secrétaire administratif, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est communiqué, tout ce qui est lettre, tout ce qui est enregistré, tout ce qui est vérifiable, c'est le boss, M. Kamara. Il a fait une sortie, une précision de taille par rapport à ce qui parle de dialogue. Ce matin, nous avons parlé de dialogue parce que on crie par-ci, par-là que M. Baouri serait le garant. M. Baouri serait le garant de l'apaisement du dialogue. Maître Bereté, la cour a rappelé le garant même, le garant de la paix, de la stabilité, le garant de l'apaisement de la transition se transforme en Djéliba du petit criminel Mamadi. Alors les gens ne comprennent plus. Voilà. Donc nous allons remercier, nous allons lire, nous allons faire lecture de la sortie de taille, la prison de M. Kamara, parce qu'il faut le faire aussi, parce que c'est pour rappeler à des petites personnes que le RPG est un parti politique. Simplement un parti politique. Voilà, il y a des partis annexes. Voilà, c'est comme l'IFDG. L'IFDG est un parti politique. Le RPG est un parti politique. L'IFR est un parti politique. Le reste, là, c'est des chambrettes. C'est tout. Voilà, donc, merci. Bonsoir, partagez. C'est Benito de Massanta. Voilà, et continuez à vous abonner sur ma page YouTube. Merci ceux qui sont déjà sur YouTube. Voilà. Donc, chère famille, au moment où vous tirez le diable par la queue, au moment où vous souffrez, au moment où vous n'arrivez pas à trouver vos pains le matin, à trouver ce plat, parce qu'aujourd'hui, personne ne mange deux fois en Guinée, il m'a fait moyen, ben calon, il m'a fait, il m'a fait la mirbe, il m'a fait. Aujourd'hui, les gens cherchent à manger une seule fois par jour, et puis c'est terminé. Ben, bah, comment vas-tu? Bonsoir, partagé. Une seule fois. Donc, aujourd'hui, avant les Guinéens pouvaient voyager deux fois, trois fois sur l'Afrique, à Guinée, en Europe. Comment vas-tu, cousin? Il est à son oreille. Comment vas-tu? Donc, Kunkoole, aujourd'hui, tu ne peux même pas voyager une fois en Guinée. Voilà, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas partir avec 1000 euros pour 10 jours où on te demande 200 000 francs de dépenses par jour. C'est-à-dire, Quand tu veux faire manger ta famille en Guinée aujourd'hui, c'est 200 000 par jour. Là, tu envoies 1000 euros pour juste deux week-ends. Comment toi, tu peux dépasser en deux week-ends? D'autres partaient faire un mois, deux mois avec 1000 euros en Guinée avant. Dans le même temps de l'ancien compte, tant d'administration. Disons la vérité, à plus forte raison, tant d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas. Pendant ce temps-là, il y a un monsieur, un simple directeur. Hein. Pourquoi je prends cet exemple encore une fois? Pourquoi je vous montre cet exemple? Excusez-moi, je ne vous montrerai pas son visage parce qu'ils ont une technique aujourd'hui pour signaler nos comptes à Facebook. Bonjour à mon grand frère Lansana Kamara. Je ne vais pas vous montrer son véhicule, mais je vais vous montrer son véhicule. Montrer la plaque de la voiture, vous allez voir. Il ne dira pas le contraire, il le sait très bien. Vous connaissez l'agence-là. C'est l'agence-là qui est chargée de faire la promotion de l'emploi des jeunes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un groupe de filles. Ils sont trop bénis. Voilà pourquoi je dis qu'ils sont bénis. Ils sont trop bénis, les membres du CNRD. Ils sont trop bénis parce que je me demande qu'est-ce que nous avons fait à Dieu.
un simple directeur d'une agence nationale qui est censé faire la promotion de l'emploi des jeunes. Est-ce que les jeunes aujourd'hui obtiennent de l'emploi? Vos jeunes frères qui sont en Guinée, vos jeunes sœurs là, sont employés. Plus de 10 000 personnes envoyées à la retraite, ils ont remplacé ces 10 000 là par combien de personnes? Disons la vérité. Ou bien vous avez, donnez-moi le nom, parce que c'était après vous, non, ne dokebrata bararo, ne donnez brata, non, ils ont pris ma sœur, ils ont pris ma sœur, ils ont pris, demandez à vos frères comment ils ont été recrutés, s'ils sont recrutés. Parce que ce que moi j'appelle recrutement, il y a un appel à recrutement, les gens déposent les dossiers, il y a un concours, après il y a un résultat, c'est ce que j'appelle le recrutement à la fonction publique. Mais des recommandés ou bien des cousines, des tantes qui ne sont même pas allées à l'école, ce n'est pas un recrutement. Le recrutement, c'est un appel en fait. Appel à recrutement, vous connaissez la procédure. Je ne suis pas un petit pour vous expliquer beaucoup. Vous en connaissez très bien. Donc, recrutement, personne n'a été recruté. Ou bien c'est faux. 10 000 et quelques personnes envoient la retraite. Et parmi les 10 000 là, ce n'est pas tout le monde qui a été envoyé à la retraite. C'est-à-dire, ils sont allés à la retraite par nom. Les matricules là sont gardés par certains responsables qui sont toujours actuellement en train de récupérer l'argent de ces pauvres fonctionnaires envoyés à la retraite par anticipation. Quand vous regardez ma tante chérie, Ramatoulaye Kolon Diallo, Ramatoulaye Kolon là, si on vous dit que Ramatoulaye Kolon a été envoyé à la retraite, est-ce que vous pouvez croire à ça? Et pourtant, c'est ça, c'est le cas. Elle a été envoyée à la retraite. Et plus de 11 ans restaient pour cette dame à la fonction publique. Ils l'ont bonnement envoyée à la retraite parce que seulement elle a refusé de faire les hâtes à la cour. C'est tout. C'est tout, hein. Donc, ce directeur, avec son adjoint, vous connaissez Haribo, le buveur, le soula là. Haribo, son adjoint soirée, Amidou, ils sont partis doucement avec un groupe de filles. Voilà pourquoi je remercie mes abonnés. Je suis trop content de mes abonnés. Eh Allah, je ne sais même pas comment je vais payer mes abonnés. Ce n'est rien, personne, c'était un simple abonné de Kindia là-bas. Il a dit, attends, je vais prendre ça, envoyer à Benito. Parce que Benito dit, si tu veux l'envoyer une information, envoie-la avec des preuves. Les partis, tellement, David, tellement qu'ils savent qu'ils ne veulent pas voir leur nom sur la toile, ils ne veulent pas voir les acteurs sur la toile. Ils ont mis des jeunes qu'ils ont payés, selon le petit, ils nous ont payé 10 000 pour surveiller ceux qui les filment et autres là. Et pourtant, mon frère, je suis là. Ou bien, c'est pas ça. Attendez. Attendez, vous payez les gens pour ne pas qu'on vous photographie. Hein? Photographe, et puis on met ça à toi. Merci mon champion, à moi seul penseur celui-là. Les vrais dignes fils de la Guinée penseur celui-là. Il n'a mais la Guinée Kandé, Dienara. Voilà. Ils ne sont pas dans la démagogie. Étant la Guinée Nambé. Voilà. Ceux qui, mes abonnés, eux, c'est pour la Guinée. Étant la Guinée. Ils sont pour la Guinée. Ils ne sont pas pour quelqu'un. Maintenant, s'il y a des élections qui arrivent, là, chacun peut se lever pour aller voter pour son parti. C'est ça qu'on appelle le candidat, le Guinéen. Ce n'est pas les démagogues. Voilà, Nadiribaye, frère Bangoula, salam alaikum, Nadine Tara. Voilà, c'est ça. Pour le moment, nous avons besoin des enfants de ce pays-là. Les démagogues-là, les haut-parleurs-là. Comme il y a un artiste, là, un artiste vaurien, là, qui était en Allemagne, là. Il a passé plus de 20 ans là-bas. Allez-y écouter l'artiste en question. Faire les éloges de Mamadi Doumbouya. N'importe quoi. Hein? Poro! Allez écouter! Et puis, voilà pourquoi je ne condamne pas tout le monde. Voilà, on me dit, écoute, et puis c'est le frère, comment ça, Souma qui m'a envoyé ça, Soussoumangue. Soussoumangue m'a envoyé, frère Souma aussi de Belgique m'a envoyé la vidéo. Il dit, Benito Sigaïdi a écouté, Soussou Haraki. C'est comme ça le frère a dit, frère Souma. Et bien, Soussou père de Rito. M'dira ni rien, parce que ce que tu dis là, c'est la vérité. Dans chaque ethnie, il y a des vauriens, il y a des personnes qui disent, Siga, moutan, Moura Soso inutile nanguin et Sirisa Venaki. En Allemagne depuis longtemps. A Moukobli Soto, à Moubangiti. Plus de 20 ans en Allemagne, Sigaya a écouté. Moutama a écouté moi.
Motama, écoutez, Matigaya, écoutez. Artiste perdre à son souhait. C'est moi qui t'envoie, n'tena rani. Souvent. Mais yo, a fallu ben, y'a un souci, y'a un souci, y'a un souci, ma photo, ma sabé. A quand y'a un souci, n'a fallu ma bessie, il est plus soussou que moi. N'tamba la fallu, à tant petit soussou, perdre, ben, a fallu ben, ma photo, à ton goya la gata. Tu as mon compte, tu as ma photo. Il faut envoyer à tout ce sou qui veut dire que non, c'est un peu sorti comme ça. La Guinée est en train de brimer, tolorer. Dieu mon a tête à cause de 2 ou 3 millions et mon torofé. J'ai tiré le chapeau pour le grand frère. J'ai tiré le chapeau pour le grand frère. Na bingé ni mantara. En antenne, il fallait souma baga faute, il fallait bilinde. Une photo n'a été amassée. M'bala, falabe, non, n'importe quoi, non, falabe, et en bas, depuis quel, comme ben, en Allemagne, et en mouna, comme, il m'a dit, mais naïf en sauvé, dit fait, on n'a qu'un à l'écoui, ah, maman, dit, on va rentrer, sortir comme ça, n'aime, 20 ans en Allemagne. Moi, je vous ai dit, j'ai mes petits frères, des enfants de maman, des bébés que j'ai vus. Je suis allé à leur baptême à Mamou, à Petel. Je suis allé à des baptêmes à Almamia, à Mamou. Je suis allé au baptême du jeune frère de Souleymane Ba, mon ami, à Boulbinet. Son jeune frère aujourd'hui a tapé une maison à Boulbinet, juste après les rails. Allez-y voir. Un étage R+5. Le petit est en Allemagne, il travaille sur le bateau là-bas. Un bébé, il est né devant moi à Mamou. Devant moi à Mamou. Haruna Tunkara, la famille Tunkara de Mamou aussi. Allez-y voir, juste après Habibata Tunkara. Allez-y voir un enfant qui est devant moi. Leur papa était bijoutier à Mamou. Allez-y, les enfants Samoura, du vieux Samoura bijoutier. Allez-y voir la villa du petit à Tambassa. Allez-y voir la villa du petit. Il est en Allemagne, il a mal les pneus. Tati, tu peux pas faire ça. Comme Mamadi Doumbouya, Hore. Bande de vauriens. Voilà pourquoi je dis, contenez mon aobé, on a un matin, vraiment. Les seuls artistes qui courent derrière les jeunes militaires, agnon, comment dire, horé. Non, Soso dit, non, Faranaki, et Soso est Farakoronti, et Soso est Farak, et Bombo, olé, Soso est ma, Koronti, bé. Il t'a l'air d'oublier à ma tour, il horé, frère. Il t'a sigi ça, il t'a un artiste gnari. Itano Dumbia Matole. Siga donc à Inar, il a blessé Mato, les personnes brûlées. Il est Mato. Il a fallu Mandouma, c'est quelqu'un de Horenara. Il y a Mato, il nous a attaqué. Si tu as peur de Dieu, Miri Halaki, tu as fait combien d'années en Allemagne? Bini Gonorima, Ibore. Les gens sont surpris de te voir en termes de centenaire. Dis Mato, Beba. Poré. Artiste Ahore. Quand tu regardes Mato, c'est. Mais. N'importe quoi. Merci, Balak. Partagez des vauriens comme ça, là. Et voilà, un simple directeur, de l'Agence nationale pour la promotion, de l'emploi des jeunes. N'en en fait, trabat fait, qu'il ici, avec les jeunes filles, et bien, Warema Bariki, des jeunes filles en petit caleçon. Beaucoup de, plus de 5 filles, et n'a mal l'anna qui auto, qui 4, et rani, qu'il ici, à Kindia, Sifulaya, et Fariboro, et Bérémi, et Degefe, Soubé, Gamma. Itan, c'est ce que tu appelles, hein? Ah, auto naiki. Ah, tu m'as accorsi. Mais, vous ne savez pas combien de fois vous avez mis ce pile en retard. Comment tu me dis, champion? N'importe quoi. Comment vous savez même? Ne vaut rien comme ça, là. La mandoumbe à Horé. N'importe quoi. Maman dit, excusez-moi, je ne vais pas vous montrer tout le reste, quoi. Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont en train de danser en caleçon et autres, là, pour ma page, quoi. Mais regardez la voiture, là. Ça, c'est à Kilissi. Hein. Attends, je vais le mettre d'abord. Il y a trop. Là où ils sont en caleçon, là, tout ça, vous allez voir. On a encore Yumiraoui. On a encore Dieu et Poulet, Père du Koui. On a encore dit, c'est Seda. Pas des filles, Allah, son Seda. Eh!
chère cousine, Olonkala des filles, Allah, un peu seulement. Non, yé. Si je ne pense pas à Dieu là, je vais montrer vos photos là, yon pili. Aussi qu'à copinal, non, copinal. Vous connaissez ton pinal. Copinal, non. Voilà, vos selfies, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Vos parents sont des religieux. Vos parents, il n'y a pas d'eux en matière de religion. Vos parents ont l'argent. Ils ont des boutiques, ils ont des entreprises. Ils n'ont jamais. Et un peu de retenue. C'est à tout, un peu de retenue. Un peu de retenue. Mais nos yurmi quoi, nos yurmi. Nos yurmi quoi. On dit Allah nos yurmi. Non, je te le... C'est pas la peine. Discute là-haut. J'ai le truc que j'ai. Je vais montrer vos photos. Je ne vais même pas hésiter. Si la hésite à seconde, je préfère. J'ai tellement de comptes. Je vais mettre vos toutes là sur d'autres comptes. Ils vont voir comment. Voilà, Koto Abdraman, Balde. Voilà, grand frère. Miondi, Allah Koto. Manda ton koi Dieu, Abiba, Obe. Koi Dieu, perdu koi. Issu de très bonnes familles. Des filles issues de très bonnes familles. Hey, si je ne connaissais pas ce fouta là, je n'allais pas dire de n'importe quoi. Je connais ce fouta plus que ceux qui sont des fouta. Je connais. Je remercie tous les jours mes parents de m'avoir mis au monde dans les villages de fouta. Grandi dans les villages de fouta. La langue de fouta, personne ne va m'expliquer le fouta. Personne ne peut m'expliquer le fouta. J'ai des grands frères à New York ici qui m'ont vu grandir là-bas. Ils sont là, ils ont vu mon enfance à l'abbé. D'autres m'ont vu grandir à Mamou ici. Pas de la démagogie, hein. Moi, je cherche pas les points. Je cherche pas les points, moi, je cherche pas les points. Mes grands frères sont là. Quand je vais à New York, je les appelle Koto Honoway. Et puis, ils m'ont vu grandir de la 5e année, école primaire, jusqu'au lycée. Ils sont là, ils sont à New York ici. Pas, ce n'est pas la démagogie. Des personnes comme ça, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Ici, de très bonnes familles. Le mari métier. Il y a certains qui. Vous êtes brodeur. Vous êtes yé. Vous êtes demain. S'afficher seulement. Ça vous donne quoi? Oh, mais yé, week-end. Yé, week-end, fions-nous. Mais dans ça, là, tu peux avoir un mari. Avec le jambé, nous. Avec le jambé. Toi, tu es dans des conneries comme ça. Qui va t'épouser? Qui? Qui va t'épouser? Qui connaît pas Haribo, le gars Haribo, le démagogue, le petit soula là? Soirée, on a soirée. Son argent soirée. N'importe quoi. Je laisse les autres vidéos. Je laisse ça de côté. Dans Habi. Si ça me chauffe la tête là, je mets sur YouTube. Les gens vont voir vos fesses et puis on passe à autre chose. Après, c'est pour venir dire, non, toi, tu n'es pas responsable à ton âge, là. Voilà, les faiseurs de morale, là. Après, non, tu n'es pas responsable. Tu vois, comment tu mets les trucs de... On verra qui, entre elle et moi, là, qui est irresponsable. Moi, je vais chercher à connaître vos parents. Je les envoie les vidéos. Je préfère faire comme ça. Je vais chercher à voir les adresses et autres de certains parents. Balançant là-bas. Tout ce qui est, hein. N'importe quoi. Non. Excusez-moi, je vais terminer par ça. Je disais dans le titre, là, je voulais remercier le secrétaire administratif du RPZ, parce que je n'aime pas souvent dire son nom, parce que là, c'est son frère Konyanke, mais le professeur Alpha Condé, tout le staff du RPG,
Il n'y a pas un qui n'a pas eu confiance en ce monsieur, en ce monsieur-là, et en le plaçant comme secrétaire administratif. Quand on a Ousmane Ba, quand on depuis Dongo Touma. Wallah, Bilal Salou. C'est le mot même, bafouiller la dignité des parents. C'est ce que mon ami dit comme ça. Parce que tout le monde connaît ses parents peu là. Ils s'investissent beaucoup dans l'éducation, la formation de leurs enfants. Parce que je le dis, si vous voyez les mamans là, dès que l'enfant a 7 ans, l'école coranique, en même temps le français, coranique, français, coranique, français, tout le monde, le Coran une fois, et puis il reprend, elle traduit, hein, j'ai dit elle traduit, elle finit, elle reprend 3 fois le Coran. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, quand tu les vois en djinn là, des jeunes filles. Il faut la provoquer en lecture coranique. Il te prend le Coran là, il descend ça. À moins de 3 heures, il te finit le Coran. Et puis tu es là, ta bouche est grandement ouverte en train de voir. Incroyable. Il peut te lire le Coran en 3 heures. Ça, oui, c'est la même fille là qui... Hein? C'est la même fille là que tu vas voir assis derrière des voyants comme ça, là, des drogués comme ça. Et leurs parents sont tranquillement à la maison. Ce n'est pas les parents qui les ont envoyés comme il y a un week-end. Il y a un week-end, comme un week-end, on nous. Oh, mais il y a un week-end. Les gens se battent aujourd'hui pour chercher un avenir, avoir un mari, des enfants. Si tu n'as pas un mari, s'organiser, chercher, avoir sa vie. Regardez la Guinée aujourd'hui. Oh, Tchago, Djoka, Dougoula, non, je fais, mais il y a un week-end. Mais il y a un week-end. Il y a un week-end. Week-end, c'est quoi? Ça te rapporte quoi? Et puis tu vas te lever comme ça, donner ton sacrifice à une fille de teint clair. N'importe quoi. Excusez-moi. On disait merci à M. Komara, le secrétaire administratif du RPZ Arc-en-Ciel. Nous allons répéter, faire une petite lecture de. Nous ne pouvons pas lire tout, mais nous le remercions parce que il y a certains qui oublient ce passage que nous signalons tous les jours. Et je le dis haut et fort, quand tu demandes à l'IFDG, viens négocier avec le pouvoir. Quelle est la condition première? Hein? Voilà ma cousine Madame Diallo. Si tu demandes à l'IFDG aujourd'hui de venir négocier avec le pouvoir, qu'est-ce que l'IFDG va faire? L'IFDG posera une condition indiscutable. Voilà, grand frère Bouba Junior, mais on dirait Allah Diallo, mais on dirait Allah frère. Quand tu demandes à l'IFDG, ils diront d'abord, nous voulons que nos cadres rentrent tranquillement au pays, soient libres de leurs mouvements, de leurs activités. Ça, c'est la condition première que l'IFDG va proposer, parce que c'est un parti responsable. Quant à nous aussi, nous, au sein du RPZ Arc-en-Ciel, tu ne peux pas nous demander de venir dialoguer. Tu parles de paix, nous avons nos parents en prison. Tu parles de paix, nous avons nos responsables. Les premiers, d'ailleurs, on dit les premiers responsables en prison. Mais comment veux-tu qu'on vienne te trouver, discuter avec toi? Nous avons nos mains liées comme ça, et puis, tu veux qu'on parle de paix? Toi, tu veux parler de paix avec le RPG? Nous avons nos deux mains liées, non? Tu nous détaches d'abord, et puis, on est libre. On vient discuter avec toi, parce que toi, tu as les armes. Mais on peut accepter de discuter avec toi si nous avons... Hein? Si nous avons nos cadres devant nous, parce que nos cadres, là, c'est des sages. Ils connaissent la politique, ils connaissent les démarches, ils connaissent comment marcher. Mais on ne peut pas se ramasser comme ça, aller devant vous, sans ces armes-là, parce que nous avons besoin de ces intellectuels, de ces personnes aguerries, pour asseoir nos têtes. C'est pas parce que tu es allé à l'école, tous ceux qui sont à l'école ne sont pas forcément intelligents. D'autres se sont battus pour finir l'université. D'autres se sont battus pour comprendre au moins comment on dit bonjour. Sinon, moi je connais quelqu'un, il a été notre premier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est comme ça Dieu a voulu.
Et roule taxi à Conakry. Il était notre premier. Je tais son nom. Mais allez y voir sa maison. Lui qui roule taxi, il a fait villa. Lui qui roule taxi, il était le premier à construire devant nous. Il a construit, il a fini. Il n'est pas en location. Hein. Il sait s'exprimer, il sait écrire, mais Dieu n'a pas voulu qu'il termine l'université. On était à l'école primaire, Pétel là-bas. À Pétel. C'est comme ça. Donc, au sein du RPG aussi, c'est comme ça. C'est ce que M. Komala dit. Vous voulez négocier. Il faut d'abord libérer nos cadres incarcérés. Nous exigeons la libération de nos cadres. Cela pourrait faciliter d'abord les premières démarches. Ça, c'est la vérité. Et nous allons l'écouter. Voilà ce que M. Komala dit en deux mots, trois mots. L'esprit de dialogue, d'ouverture et de rassemblement que nous prenons aujourd'hui est le socle sur lequel nous bâtissons notre avenir. Ce n'est pas un chemin que nous parcourons seuls. Chaque Guinéenne est invité à participer à chaque grande œuvre nationale. Ça, c'est la vérité. C'est ensemble, par notre unité et notre engagement commun, que nous surmonterons les défis et saisirons les opportunités qui se présentent à nous. Et voilà ce que M. Komala dit sur la question du dialogue. Nous sommes très clairs là-dessus. M. Komala dit, nous disons et insistons qu'il faut libérer nos cadres injustement incarcérés. Laisser la rentrée libre à ceux qui sont en exil. Oui. Laisser la rentrée libre à ceux qui sont en exil. Parce que pourquoi il parle de rentrée libre? Tous ceux qui sont rentrés de l'exil, là, ils sont rentrés sous condition. Tu me supportes, je te laisse rentrer. Ah, le prince, mon champion, mon grand frère, Tara. Voilà. Escanté, le prince, Tara. Respect à toi, le grand champion. Chap, Californie, Anadine Tara. Dites bonjour à mon Escanté, le prince. C'est-à-dire, c'est le boss de Californie. Voilà, j'étais avec lui au tournoi NT. C'était le parrain. Il m'a honoré en m'invitant. J'étais dans son groupe. J'ai été très honoré. Merci, grand frère. Escanté, le prince depuis Californie. Rebinyani Montara. Merci beaucoup. Ntara Fandi, respect à toi. Voilà. Donc, M. Komala parle. Il dit laisser la rentrée libre à ceux qui sont en exil. Parce que les connaissances, nous connaissons comment les bandits sont rentrés. Voilà, nous connaissons comment beaucoup sont rentrés. Mais les dignes fils, là, ceux qui ne négocient pas la liberté, là, ça, c'est les Selou d'Alendialo. Voilà, les Selou, ils sont là-bas. Ils sont nombreux comme ça, eux, là. Les Kundudo, ils négocient pas. Voilà. On ne négocie pas parce que personne n'est propriétaire de ce pays. Le seul propriétaire de ce pays, là, c'est le peuple de Guinée. Et le peuple ne va jamais demander à un de ses enfants de ne pas rentrer. Voilà. Des criminels comme ça, des bandits, des délinquants, demandent d'abord de négocier avant de rentrer. Personne ne veut. Ah, vous avez vu, non, ceux qui restent actuellement, là, les vrais partis politiques, et ceux qui sont à l'extérieur, c'est le digne. C'est-à-dire, le produit pur qui reste maintenant, le reste, toute la poubelle est rentrée. La poubelle, l'ordure, ou bien les ordures sont rentrées. Je le dis, je m'assume. Voilà, la poubelle est rentrée. Voilà la priorité qui reste là-bas. La priorité. Les Selou d'Alendialo, les Sekou Koundouno, oui, sont là-bas. Eux-là, ils ne vont jamais négocier les libertés. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui donne la liberté. Voilà. C'est le peuple-là qui doit leur dire, bon, ne rentre pas. Et vous n'êtes pas le peuple, vous n'êtes pas l'élu du peuple. L'élu du peuple, c'est Alpha Condé. Et Alpha Condé même ne peut pas les interdire de rentrer. Vous comprenez? C'est très clair. Je termine. Nous avons tant réclamé ça, mais on ne veut pas nous écouter. On veut passer encore une fois par le forcing. On ne peut pas mettre des gens en prison pendant 2 ans et demi sans raison valable.
Ce n'est pas normal. Et en matière de droit, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Merci, Lansana Komala. Et oui, et je peux continuer, mais on laisse comme ça. Voilà. On dit pour l'ex-ministre de l'enseignement technique et la fonction profonde, les cadres du RPG en prison ont été innocentés par toutes les institutions de ce pays. Ou bien je mens. Y compris celles supranationales, c'est-à-dire les institutions juridiques internationales. Ils ont dit, d'où selon lui, la nécessité de les libérer. Il faut les libérer, sinon ça ne se négocie pas. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après. Nanara, forcing Mayama. Vous libérez les gens, vous laissez les autres rentrer librement. Et puis on compétit. Vous ne faites pas partie de la compétition. Vous n'êtes pas compétiteur. Les compétiteurs, c'est l'IFDG, le RPG, l'IFR. Voilà la compétition entre les trois partis. Ntamu Bore Mago, les autres partis, la Balaka, mon frère Bana, c'est la vérité. Bore Tam, Ntam, voilà. Moi là, quand tu parles de parti politique là, Ntam Kolongo, il n'a pas la parti politique. Croucroucrou, j'ai pris l'IFDG. Croucrou, j'ai pris RPG, mon RPG. Croucrou, j'ai pris l'IFR. Adonga, il n'a fait Falambe. Il n'a Falambe To, il n'a Falambe Tina. Voilà, parce que, pourquoi? Il n'a fallu y accorder si. Donc, c'est demain les élections. Une partie ne retourne, ne renomme, ne remobilise des. Et bien, c'est un terrain, ma. Faut n'a parti. N'a parti qu'en ça. N'a trois parties, n'a normal, cobri débloqué des. Et bien, ça, intérieur, aussi gars. Et puis, en moins de trois semaines, toutes les bases sont mobilisées. Et puis, voilà les élections. Et Guéni, une élection transparente dans ce pays-là. Les trois partis se partagent les mairies. Les trois partis se partagent les députations. Et puis, Adoma est en présidentiel. Adoma sera en Nantagui. Agnon. Agnon. Mais les autres, au départ, en a au Moumali, Mouga Fendi, candidat à Obore Bayama, sur les lancers d'Akouyaté. Ah, tu as vu, non, moi je suis le plus populaire, moi je suis le plus implanté partout en Guinée. Mais je ne veux pas Selou, je ne veux pas Kassouri, je ne veux pas Komara, je ne veux pas Damaro, je ne veux pas, non, je veux compétir avec, comment ça s'appelle là, Ousmane Kaba, avec Diabati Doré, Baouri, en ce temps-là, hein, les Baouri, non, petit parti politique. Là, c'est la Kouyaté, voulait écraser. Et puis lui, là, c'est la Kouyaté, pensait que. S'il se présente contre ces petits partis, nous allons le soutenir, nous les Malinkés, ou bien nous les Mandingues là. Tu as tapé pour tout petit. Aujourd'hui, c'est lui qui accepte d'aller volontiers au dialogue, d'abord entre les partis politiques. Et puis quand on l'appelle pas là, il appelle le RPG. Quand on l'appelle pas là, il appelle l'IM. Celui qui appelle, maintenant, actuellement, c'est lui qui appelle les partis là. Sinon, avant, il disait non. Ils vont nous appeler, ils vont nous rejoindre. Tout contre l'essentiel des partis politiques, ils sont là. Mais aujourd'hui, c'est lui, l'ancien Kouyaté, qui appelle le secrétaire général du IFDG, ou bien le secrétaire général du RPG, papa va nerler. C'est qu'on va faire, on va organiser une rencontre. Papa, nous ne sommes pas dans le thème. Connerie. Voilà. Ah ah. Et on a guinéaire, on a une mauvaise femme, na ni yaki. Moutan nakolo. T'as compris, non? Donc, c'est ça. On se reprend après. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, là, nous, on ne veut plus de toi, hein. On ne veut plus de toi. Toi, là, c'est la cuité. Moi, je ne veux même pas que tu assistes à nos réunions. Je ne veux pas. C'est malgré moi-même que le RPG t'accepte, l'IFDG t'accepte, les partis acceptent de discuter avec toi. Si ça t'aide à moi, là, wallah, billette, là, on s'en fout de toi. Parce que, hein, je le jure sur le Saint-Coran, je le jure, là, c'est la cruauté. Compétition normale dans ce pays-là, je le jure, si tu obtiens la cinquième place, ne qu'un bâtard. Et t'as ça, on fait. Donc, étant, mais il te dit, si c'est pas, comment on appelle ça, ma maman est sous, ma maman est ceci, je suis implanté partout en Guinée. Hey, est-ce que les autres là ont besoin de chanter? Est-ce que tu as entendu? Tu as entendu RPG parler qu'on est implanté partout? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est connu. Est-ce que tu as entendu l'IFDG, nous sommes implantés partout? Celle-là n'a pas besoin de dire, je vais à... Même celle-là. Celui part à Cancan, là, il faut aller à Cancan voir. Celui à Cancan. On dirait chez lui. Nous avons vu celui à Zérecoré. Ça, ce n'est pas sa base électorale. Mais toi, dans son côté, tu descends à Zérecoré. Si tu fais la même chose, une de terre. Tu as vu Ousmane Kaba, dans son propre village, comment ça s'appelle là? Le village, la sous-préfecture de l'autre là, de Ousmane Kaba, Carfamoria.
C'est ce que mon grand frère Makanel a dit. Demandez à Ousmane Kaba d'être d'abord le maire de Kafa Moria. Ils l'ont battu à Kafa Moria. Ousmane Kaba. Quand nous avons fait les décomptes là, je le jure, il n'est même pas arrivé à 8e% dans sa propre sous-préfecture. Il n'a même pas eu 100 voix. Moi, je, parce que sa famille ne valent pas 100 personnes. Donc je me demande, qui a voté même les 100 personnes? Quelles sont les personnes? Parce que même sa famille, si on rallonge, c'est plus de 200, 300 personnes dans sa propre famille. Mais il n'y avait que 100 personnes qui ont voté pour lui dans toute la sous-préfecture de Kafa Moria. 100 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a certains membres de sa famille qui n'ont pas voté pour lui. Lui Ousmane Kaba. Toi, l'ancien recueil, t'es Thierry Koussa. Thierry Koussa, sortons les résultats, les anciens résultats. Sortons-les. Parce que tu dis quelque chose de ton grand frère, bah, ou de ton petit frère, comment il s'appelle? Morisanda, le Ouyafola, Ouyasanda. Que Ouyasanda, c'est ton petit frère. Parce que Ouyasanda, c'est reconnu. C'est une qualité sur lui. Ouyasanda, c'est une honte pour sa famille. Un vieux à son âge-là est un porc menteur, un gros menteur. Il a fallu que le professeur Fakonde nous sauve en disant, demandez, il a dit dans Jeune Afrique, demandez à ce type-là. De vous donner mon numéro de téléphone. Parce que si tu dis que non, comme on y est resté à les réseaux sociaux, quand on a Alpha Condé, nous, le courant passe bien avec Alpha Condé. Et disait ça, faut de Kouyaté à tous ceux qui sont proches de lui-là, les tyrans que Sélimi et autres là. Hein? Mais, qu'est-ce que Alpha Condé était très clair? Demandez-le mon numéro. Et puis, c'est avec quel numéro il m'a appelé. Jusque-là, nous sommes comme ça, il n'a plus. Est-ce que vous l'entendez parler de ça? Até où il y a au fola au corps, parce que c'était faux. Nous avons demandé au président, est-ce que c'est vrai? Morisanda vous appelle, il dit mon fiston, parce qu'il m'appelle fiston. Il dit, mon fils, faut demander à ce type-là, c'est avec quel numéro il m'appelle. Faut demander avec quel numéro il m'appelle. Parce que c'est lui qui dit, moi, le président a dit, moi-même, j'ai entendu, selon lui, que tout le courant demande, tous ceux qui sont membres du CERN, demandent qui m'a appelé. Depuis ce jour-là, il ne parle plus de ça. Bande de menteurs. Et donc, il est dans sa nacuité, tu dis que c'est ton jeune frère. Aujourd'hui, le courant ne passe pas bien entre ton jeune frère et toi. Hein? Parce que, vous savez, si Morisanda ne s'était pas attaqué aux institutions internationales, on n'en serait pas là. Hein? On n'en serait pas là. Mais Morisanda, le petit Amara, mon jeune frère Amara, le vaurien là. Amara, lui, bon, je n'en vais pas à Amara parce que lui n'a pas son CEP. Le certificat d'études primaires. Il n'a pas son examen d'entrée en cette année. Mais Morisanda, au moins, il a fait tous les examens dans ce pays-là. Lui, au moins, on suppose qu'il est un docteur, même s'il a raté sa formation. Mais au moins, il est supposé réfléchir. Mais si lui, il attaque la CEDEAO, il attaque les institutions, il suit ces gens-là qui n'ont pas allé à l'école, en leur automoufola, qu'est-ce que nous allons dire? Voilà, olé. Donc, portez, on se reprend après. Merci pour le partage. Continuez à vous abonner sur ma page YouTube. @masantabintoofficiel. C'est collé. On se reprend après. À ce soir. Merci.